Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, bienvenue sur ma chaîne. J'ai une très 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 mauvaise nouvelle. Je sais même pas par où commencer en fait, tellement ça m'a énormément attristée. Il faut que je fasse une vidéo concernant la suite de cette histoire qui ne s'est pas vraiment arrêtée. D'autant plus que, bah en fait, entre temps, j'ai reçu énormément de messages. Des gens ou de mes abonnés, toi, qui m'ont envoyé des emails, des messages en privé. Là, il fallait que je fasse en fait une vidéo explicative hein, de la suite en fait de mon action bloquée qui s'est passée il y a un an de cela. Je sais pas si vous avez vu la vidéo ou pas. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le mets juste là. Vous avez juste à cliquer dessus et aller la voir parce que je donnais des astuces en fait pour éviter de se faire bloqué par Instagram et bien sûr de pouvoir se faire débloquer par Instagram quand on s'est fait bloquer. Je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo. De toute façon, je vous mets tout ici en lien quelque part par là. Bah, je vous conseille en tout cas d'aller le regarder. Voilà. Donc du coup, après avoir eu cette blocage d'Instagram, oui, il y a eu quand même pas mal de temps qui sont passés. J'ai eu quand même, voilà, je ne dirais pas que j'ai eu des actions bloquées encore régulièrement, non, je vais pas dire ça. Je dirais que oui, j'ai eu, parfois j'en ai eu, mais c'était des actions bloquées un peu bizarres, quoi, de une semaine, de deux semaines, parfois de trois semaines. Je vous mettrai par-ci ou quelque part par-là les images de ces actions bloquées que j'ai reçues. Et puis un temps, un moment, ça s'est arrêté complètement, je ne recevais plus rien du tout. Ceci dit, oui, c'est vrai que quand je recevais ces actions bloquées, c'était soit j'étais interdit par exemple de commenter, d'aimer des photos, des trucs comme ça. Voilà, c'était des trucs comme ça que j'avais. Ou sinon parfois, bah oui, mon compte était bloqué par exemple pour une semaine et je ne pouvais pas avoir accès pendant une semaine. Bon, et puis à un moment, ça s'est arrêté, c'est-à-dire que bah, j'avais plus du tout ces actions bloquées-là. Donc, je me disais, bon, tout allait bien, quoi. Bon, je vivais ma belle vie avec mon Instagram, je faisais mes photos, enfin, tout allait bien. Même si je recevais quand même pas mal de messages de pas mal de personnes hein, qui me demandaient des conseils concernant l'action bloquée, tout tralala, comment faire pour débloquer, blablabla, blablabla. Parce que j'ai quand même vu que bah, j'étais pas la seule, en fait, à avoir été dans cette situation parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont été dans ma situation et qui sont toujours dans ma situation et c'est super compliqué. En tout cas, pour concernant l'application Instagram, de pouvoir trouver une solution, c'est super compliqué. Donc, entre-temps, comme je vous disais, ça c'est, enfin, j'ai plus reçu rien du tout, j'ai plus reçu d'action bloquée ou quoi que ce soit, tout allait bien. Et bah là, qu'est-ce qui s'est passé février dernier, enfin février là dernier. Et bah, je vous informe que j'ai tout perdu, les gars. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon compte de 1500 abonnés. Je ne pouvais plus avoir accès, en tout cas, à mon compte. C'était assez compliqué. J'ai essayé, mais franchement, je me suis donné tout le moyen possible pour pouvoir récupérer mon compte, mais j'ai pas réussi en fait à le récupérer parce que bah, j'ai pas réussi, tout simplement parce que j'ai pas réussi. J'ai envoyé des emails et tout à Instagram parce que du coup mon compte aussi était lié avec mon compte Facebook, donc du coup je me disais bon, peut-être que je vais pouvoir le récupérer avec ça, mais en fait c'était compliqué. Il n'y avait plus rien à faire en fait, les gars. Donc je vous dis, je vous informe vraiment si ça vous arrive. En tout cas, si vous avez déjà eu des actions bloquées et que en fait on vous a débloqué par la suite et que bah, tout allait bien, bah, dites-vous que la suite, en tout cas pour les actions bloquées, si votre compte a été bloqué, serait que votre compte, en fait, on vous le supprime carrément. Ah oui, la prochaine étape serait la suppression de votre compte. Donc, mettez-vous cela dans votre tête. Je préfère vous informer de cela parce que peut-être qu'il y en a pas mal de personnes qui ne sont pas au courant de cela. Mais c'est vrai que si vous avez eu pas mal d'actions bloquées, de comptes bloqués, des interdictions en tout cas de votre compte, dites-vous que bah, un jour arrivera où vous allez perdre en fait tout. Voilà, vous allez perdre votre compte et il n'y aura plus d'issue, vous ne pourrez plus le retrouver. Et malheureusement, il faut que vous le sachiez en fait. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je préfère vous le dire dès maintenant que de recevoir encore des emails. Parce que je reçois encore des emails, je reçois encore des messages. Des gens me posant la question, oui, mon compte a été bloqué, comment je peux faire? Aide-moi, s'il te plaît, j'ai mis 200 abonnés, j'ai mis 500 abonnés, j'ai 5000 abonnés.
malheureusement, les gars, si vous avez reçu énormément d'actions bloquées, votre compte a été bloqué à plusieurs reprises ou tralala, dites-vous que la prochaine, en tout cas un jour arrivera, vous n'aurez plus votre compte en fait. C'est-à-dire qu'on ça veut dire qu'un jour, bah, vous n'aurez plus rien en fait. Même si vous allez essayer de le récupérer, il n'y aura plus d'issue. Voilà, vous allez perdre tout et il faudra juste recréer un autre compte et recommencer tout à zéro. Et c'est ce que je suis en train de faire présentement. Malheureusement, je ne vous dis pas, mais franchement, ça m'a tellement attristée. J'ai presque déprimé, quoi. Mais sérieusement, se déprimer quand même pour Instagram, il faut le faire quand même, les gars. Ben oui, ma foi, ça peut arriver. Eh oui, ça peut arriver. Ça a été mon cas, les gars. Donc, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, je ne veux surtout pas affoler tout le monde. Je ne veux surtout pas que les gens se sentent mal par rapport à ce que je veux vous dire. Mais malheureusement, il faut vraiment que je le dise, en fait. Parce que c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Et je préfère prévenir. Je préfère prévenir les gens que les gens... pense que oui, voilà, il y a une solution, mais malheureusement, il n'y a pas de solution en fait. Si vous perdez votre compte, vous perdez votre compte pour toujours et c'est comme ça. Donc, voilà, je pense avoir fait le tout. Je voulais juste vous informer de cela. Voilà, j'ai perdu mon compte, j'ai perdu tout. Je n'ai plus rien, il faut que je recommence tout à zéro. Et si ça vous arrive, bah, préparez-vous en fait. Si vous avez déjà été dans ma situation, bah, préparez-vous parce que... La conséquence de la suite, voilà, la conséquence de la suite serait l'interdiction carrément de votre... Voilà, j'espère que la vidéo en tout cas vous a informé sur la suite, hein, donc vous le savez maintenant, ne vous affolez pas en tout cas. J'espère ne plus recevoir encore des messages concernant mon compte, un compte débloqué, enfin un compte bloqué ou un compte qui a eu une action bloquée ou quelque chose comme ça. Si la vidéo vous a plu ou pas, et si vous avez quelque chose à dire, bah, écoutez, commentez en dessous, hein, et puis voilà les gars, je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.